Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Je sais que la concurrence était terrible. Je vais commencer direct par vous mettre dans le bain. Attention, il va y avoir du son, des animations et des blagues de mauvais goût. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde est prêt, parce que c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me rejoindre sur cette émission spéciale événement pour les sorties de Drupal 10. 40 minutes moins 10 minutes de problèmes techniques. Merci d'être resté avec nous. Mais ça va être très très rentable pour vous car nous avons des informations exclusives à vous communiquer. Restez avec nous. Je suis Marine Gandhi, je suis votre reporter de terrain. Je viens vous rapporter le compte d'une longue enquête undercover parmi les geeks de la DrupalCon Europe. Nous sommes live, comme vous avez pu le constater. Et je vais vous annoncer tout ce qu'il faut savoir sur Drupal 10. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous aurez déjà vu notre émission événement il y a 2 ans pour la sortie de Drupal 9. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était il y a 2 ans, qu'est-ce qui a changé depuis? Mais attention, ici sur FPM TV, on ne rigole pas avec l'actualité. Et on va commencer par vous faire un petit retour sur l'affaire. Drupal, première release en 2001. Le code est mis en open source par Dries Buytaert, prononciation non contractuelle, fondateur belge de Drupal, qui a fait ce petit projet d'étude et s'est dit « Tiens, si j'en faisais un projet open source ?» Grâce à lui, des millions de sites dans le monde tournent aujourd'hui sur ce petit projet, qui a connu sa période de gloire à partir de 2010 avec la sortie de Drupal 7, qui est encore aujourd'hui maintenue et active. Tout allait bien, version stable, prospère, écosystème florissant. Et là, le drame. La sortie de Drupal 8 en 2015 va mettre un coup d'arrêt à cette incroyable épopée de Drupal et diviser la communauté. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas vraiment au courant de cette terrible tragédie, en 2015, Drupal passe sur des composants Symfony. Terrible, terrible tragédie. Mais je vous rassure, pas complètement non plus, parce qu'on a quand même des petites habitudes qui sont restées, mais Symfony quand même. Et donc, on passe d'un Drupal 7 procédural avec ce qu'on appelle les drupalismes à un Drupal 8 très cadré par Symfony. Et à partir de là, c'est la fin. Les releases s'enchaînent, Drupal 9 en 2020, Drupal 10 en 2022, mais ça va beaucoup trop vite. Et pourquoi? Pourquoi? Je vois le public qui s'interroge, pourquoi? Oui. Eh bien, parce que maintenant, il y a des cycles de release beaucoup plus précis. La communauté Drupal s'est professionnalisée avec tous les avantages et les inconvénients que ça implique. Les avantages nombreux, hein, rentrer dans l'écosystème classique, on va dire, de l'open source actuel, et l'inconvénient, perdre tous les contributeurs et contributrices qui étaient un petit peu plus amateurs et qui n'ont pas réussi à prendre la marche de Symfony. Alors, concrètement, c'est très simple. On était sur du Symfony 3 pour Drupal 8. Le end of life a forcé à passer sur Drupal 9, merci de suivre. Et au bout d'un moment, c'est pareil, end of life de Symfony prévu pour novembre l'an prochain. Et donc, il faut que les utilisateurs et utilisatrices aient le temps de faire leur mise à jour, leur montée de version. Donc, on déprécie la version majeure actuelle. Donc là, en décembre, sortie de Drupal 10, et sortie de Drupal 9.5, qui sera la dernière version de Drupal 9. Et on se retrouve dans une situation assez intéressante où Drupal 8 n'est plus maintenu depuis déjà plus d'un an, donc novembre de l'an dernier, tandis que Drupal 7 est toujours maintenu parce que les gens n'arrivent pas à faire la migration. Donc Drupal 7 continue sa vie de son côté, avec aussi des organisations dissidentes, des terroristes dangereux qui récupèrent les modules contrib et créent leur propre écosystème avec des distributions comme Backdrop CMS par exemple.
qui vivent leur vie de leur côté et qui n'ont pas envie de passer sur un corps symphonie. Donc, voilà. Et de l'autre, on a la communauté fièrement intégrée avec Symfony qui continue sa vie. Et donc, on peut prédire, parce que chez nous, on peut prédire l'avenir, ok. Je peux vous dire déjà que dans 2 ans, probablement, il y aura Drupal 11. Voilà, voilà. C'est la magie des cycles de release. Donc, des infos exclusives, je pense que voilà, vous ne le saviez pas, et c'est pour ça que je suis là. Les dépendances, voilà. Il y a 2 ans, je vous ai parlé des dépendances, et là, maintenant, ce soir, eh ben, les dépendances, que sont-elles devenues ? 2 ans après, Composer est passé à Composer 2, donc ça, c'est déjà depuis plusieurs versions que c'est compatible. Ça a même été backporté sur Drupal 8.9, beaucoup plus rapide, c'est la fête. Vraiment, Composer 2, super. Ce sera la version 2.3 qui sera requise pour Drupal 10 en dev, donc faites vos mises à jour. PHP 8, notre grand ami, est déjà supporté, bien sûr, depuis plusieurs versions de Drupal 9. C'est la 8.1 qui sera requise pour Drupal 10. Et la 8.2 est en cours de travail. Plus d'informations plus tard. Symfony, on va passer sur Symfony 6 direct, parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Symfony 6, normalement, jusqu'en 2027. Parce que d'après mes informations très confidentielles, il y aurait 2 membres de l'organisation Drupal qui se trouvent dans la security team de Symfony et qui s'engagent à sortir des patchs de sécurité hors LTS pour la communauté Drupal. Vous l'avez appris ici en premier. Et ensuite, CK Editor 5. Comme vous avez pu le voir avant, le end of life de Symfony était au même moment que celui de CK Editor 4. Donc, on travaille sur CK Editor 5 qui sera du coup directement dans le corps de Drupal dès la prochaine version. Voilà, donc 2 ans après, toutes ces dépendances vont bien, ils ont retrouvé le goût de la vie, voilà, ils ont après accepté de témoigner ce soir à visage découvert et on les remercie. Mais vous êtes venus pour les nouveautés et je vous comprends. Donc, info exclusive sur FPM TV. Des nouveaux thèmes dans le corps. Donc vous allez me dire, ça c'est semi-exclusif parce que tu nous en as déjà parlé il y a 2 ans. Oui, d'accord. Mais là, ils sont par défaut. C'est des thèmes officiels, ok. Donc, Olivero, qui est le thème front, très joli, sublime, du plus beau CMS de l'univers, qui donc maintenant est le thème par défaut de Drupal 10, et Claro, qui est le thème d'administration par défaut. Donc ça, c'est un petit peu nouveau, mais pas trop. Ce que ça veut dire aussi, c'est que les anciens thèmes moches, là, on les jarte du corps. Donc maintenant, vous pouvez les retrouver en tant que thème contrib. Vous pouvez les installer si ça vous fait plaisir, je ne sais pas, une vibe nostalgique, une soirée à thème. Mais c'est plus les officiels, quoi. Ils ne sont plus dans le coup. Voilà. Je dis ça pour vous. Dans la même lignée, on s'est dit, tiens, tous ces modules-là, en fait, on s'en fiche un petit peu. Personne ne les utilise, donc en fait, on va écrémer. Et donc, on a déjà ces modules qui partent du corps, pareil, qui sont toujours disponibles en tant que modules contribués, mais qui ne sont plus, par défaut, dans le cœur de Drupal, donc un cœur allégé, semi-écrémé, plus digeste, enfin voilà, merveilleux. Évidemment, c'est CKEditor 4. Je pense que si vous avez suivi le début, ça ne vous a pas surpris à ce stade. On est passé à CKEditor 5, mais le 4 reste toujours, bien sûr, disponible comme module contribué. Si vous avez envie d'aller faire de la contrib de code vieux, voilà, amusez-vous. Ah, j'ai tout cassé. Les joies du direct. Non. Pourquoi moi ? La migration, vous n'avez rien vu, tout va bien. La migration vers GitLab se poursuit. Donc, on avait déjà commencé. Je resitue un petit peu le contexte hein, pour les personnes qui ne sont pas aussi fascinées par le true crime que moi. Mais donc, aux origines, Drupal a fait sa sauce dans son coin.
Pour venir contribuer du code dans Drupal, il fallait s'inscrire à quatre endroits différents, lire 57 docs, demander les approbations, attendre 6 ans. Enfin bon, voilà, c'était un petit peu compliqué pour les nouveaux, les nouvelles qui connaissaient pas le système. Et donc, les personnes qui auraient pu contribuer un petit bout de code rapide sont découragées et ne le faisaient pas. Donc, l'idée, c'est de revenir dans le giron de ce qui se fait dans le mainstream. Et donc, on migre sur GitLab. Donc, c'est un travail de longue haleine, puisque je vous en avais déjà parlé il y a 2 ans aussi. Mais il y a un petit peu de progrès quand même. Donc, maintenant, les issues commencent à être migrées sur GitLab directement, plutôt que d'être avec un compte sur Drupal.org où il faut, pardon, il faut déjà être membre de la communauté, avoir un peu l'habitude de comment ça marche. Là, c'est GitLab. C'est classique. Vous savez comment faire. Le web ID est déjà disponible, donc vous pouvez éditer en live comme ça, en se la pétant, sans installer tout un Drupal sur votre local parce que voilà, vous avez honte, vous faites ça la nuit, en secret, voilà, pour pas que vos potes symphonistes le sachent. Ça ne se verra pas, promis. Les Drupal pods, alors en gros, c'est des git pods, c'est-à-dire que vous pouvez lancer une instance Drupal directement comme ça en live dans votre navigateur. C'est trop magique. Vous pouvez choisir la version de Drupal, une distribution, vous pouvez choisir ce que vous voulez, et ça vous donne le petit terminal, l'interface web, tout, et vous pouvez me la partager avec vos copines et vos copains pour vous y mettre à plusieurs. Donc voilà, pour des sessions de contribution, c'est quand même vachement puissant. Et évidemment, à terme, l'idée, c'est d'être encore plus intégré, de sortir vraiment de tout l'écosystème Drupal pour que tout se fasse sur GitLab, notamment le système de crédit qui est très important chez Drupal, c'est en cours de migration, la CI, pareil, c'est bien avancé et on y est presque. Le Project Browser. Alors, là, on est sur quelque chose qui n'est pas encore tout à fait prêt pour Drupal 10, mais ça va venir dans les versions mineures suivantes. Mais nous, on fait l'investigation, de l'anticipation. OK, on est là pour les révélations exclusives, donc vous l'avez vu ici en premier. Le Project Browser, l'idée, c'est que il y a des trucs comme WordPress, par exemple, il paraît que c'est super user-friendly et que nous, pas trop. Bon. Déjà, je dis fake news, mais bon, admettons. Vraisemblablement, si vous commencez demain sur Drupal et vous voulez installer un module, une extension, et vous ne savez pas où. Et c'est bien normal. Donc, le but, c'est d'avoir ce browser de projet intégré directement dans Drupal, pour simplifier la vie de tout le public qui n'est pas forcément technique, qui ne va pas aller voir le code pour voir est-ce que j'installe ce module ou non, tout ce que nous on appelle les site builders, ou pour être à la mode, les gens qui font du no-code, low-code, qui est fait depuis toujours avec Drupal en fait. Donc ça, c'est un module contribué actuellement, vous pouvez aller le tester, faire vos retours, signaler les bugs, ils adorent ça, c'est trop cool, et ça va être intégré très prochainement dans le cœur de Drupal, c'est l'objectif. Un petit copain qui va avec, c'est les updates automatiques. Ah ouais, parce qu'on est passé sur Composer, alors si vous voulez, Tata Janine, avec son site de toilettage de chiens, elle a un petit peu du mal à faire les mises à jour avec Composer, c'est pas trop son truc. Par contre, maintenant, elle va pouvoir le faire en un clic dans le back-office. Et c'est beau. Donc pareil, ça, c'est en test, il faut aller tester, il faut faire des retours, n'hésitez pas, et c'est bientôt dans le corps. Donc là, pareil, désolé pour la team, on est des développeurs, on fait du code et tout. C'est plus pour les site builders, mais l'avantage, c'est que ça va favoriser l'adoption de Drupal aussi pour les personnes qui ont des besoins moins complexes que votre use case habituel. Donc voilà, exclusivité, OK? Quoi? Excusez-moi, on me dit qu'il y a... Ah, on a une reporter qui veut intervenir à distance. Alors, je ne sais pas si, vu des conditions techniques, on va pouvoir avoir son témoignage, mais on va essayer. Alors, Cricket, parce que... Cricket Rockwell, en direct de Disneyland. Il paraît que Drupal est mort. Drupal est mort. Ah, Cricket, on vous a perdu. Oui. Non, on a perdu Cricket, hein, je suis désolée. Bon, alors écoutez, il paraît que Drupal est mort. Je suis obligée d'interrompre l'émission. Parce que je peux pas laisser passer des fake news comme ça dans l'émission. C'est mon devoir de journaliste, ok, de rétablir la vérité. Donc, on va débunker en direct. Je suis désolée, mesdames et messieurs.
C'est les aléas du direct. Alors, Drupal est mort. Très bien, commençons. Donc je vous cite Driss, le fondateur de Drupal. Attention, j'ai des sources primaires de qualité. Il nous dit qu'ils ont récemment sorti la bêta release de Drupal 10 et que, comparé à la même période pour Drupal 9, il y avait 3 fois plus de projets qui sont compatibles et qui sont prêts. C'est-à-dire que ça s'accélère incroyablement, la communauté est à fond. Donc là, j'ai vérifié ce matin mes chiffres, ok. 1204 modules sont actuellement prêts pour Drupal 10, ils sont chauds. Ok, ça sort en décembre, hein, on est prêt. Donc, preuve à l'appui, hein, j'ai photocopié les sources. Donc, vous voyez la partie stable, 1204. Et pour analyser un petit peu le reste, il se trouve qu'il ne reste pas grand-chose pour que la majorité des modules soient prêts et compatibles pour Drupal 10. Je vous invite à regarder la partie alors, jaune qui fait 33%. C'est un fichier à éditer pour mettre 10 dedans, pour dire « je supporte Drupal 10 ». Alors, la légende veut que certains de mes modules soient dans cette catégorie parce que je n'ai pas eu le temps de faire la mise à jour. Franchement, c'est sans source, il n'y a pas de preuve, donc on ne va pas porter crédit à ces rumeurs absurdes. Mais globalement, on peut voir que la plupart des mises à jour qui restent à faire peuvent être automatisées. D'ailleurs, on a déjà un superbe bot qui fait des automatiques issues pour nous dire « Hey, j'ai un patch, ça rajoute 10 sur ton info.yaml. » Et après, on fait « Ah oui, valide les patchs, c'est vachement bien. » Donc, globalement, grâce à Rector, et donc Drupal Rector, maintenant, on peut automatiser énormément des dépréciations. Il faut savoir qu'avec la version 9.4, toutes les API qui sont dépréciées ont été publiées. Donc en fait, à partir de maintenant, on peut commencer à mettre à jour son code, tout passer à la moulinette des outils automatiques et être prêt. Donc il reste très peu de choses à modifier manuellement. Donc déjà, Drupal est mort, je sais pas, mais moi je trouve qu'ils sont vachement au taquet quand même. Hein, voilà. Deuxièmement, vous voyez le petit point là-haut, là, marqué Drupal, et ben c'est Drupal. Drupal est mort. En fait, ça dépend. C'est sûr que si on compare avec WordPress, ça paraît vachement moins. Hein. WordPress, c'est presque 40% du web là, actuellement. C'est pas comparable. Mais c'est pas du tout le même type d'usage. Il y a beaucoup de petits blogs avec WordPress. Évidemment, Drupal, c'est pas du tout la même chose. Drupal, on est bon sur les sites à fort trafic. Je vais appeler le gouvernement immédiatement pour les prévenir que Drupal est mort. Hein. Je pense qu'ils vont pleurer un peu parce qu'il y a beaucoup de sites qui vont devoir fermer. Du coup, ils n'étaient pas au courant. Pareil, je pense que le gouvernement en Australie, au Canada... En Australie, ils ont leur propre distribution de Drupal. Je dis ça, on peut peut-être s'inspirer de nos amis à l'étranger. Donc globalement, est-ce que c'est Drupal qui est mort ou est-ce que c'est les CMS au sens large, les vieux CMS monolithiques et tout ça qui n'ont plus bonne presse et qui ne sont pas flavor of the month? Effectivement, Drupal, c'est boring tech. C'est pas très fun et tout, mais ça marche. Et il y a toujours de la communauté derrière. Par exemple, ceci est une étude. Alors évidemment, c'est les chiffres de 2021, voilà, excusez-moi, on a un petit peu de jet lag. Les chiffres de cette année vont être publiés un peu plus tard dans le mois. Voilà, c'est une histoire de quelques jours. Mais l'an dernier, l'association Drupal a fait une enquête, comme tous les ans, pour voir un petit peu, au niveau des agences, la proportion de business qui croît, qui décroît, pour faire un petit peu le point. Et on peut voir, même si ce n'est pas forcément terrible niveau couleur, mais tout ce qui est dans une zone de vert, donc l'immense majorité du camembert, c'est de la croissance. Donc l'an dernier, l'agence Drupal était en forte croissance. Et parce que je vous aime bien et que je suis allée chercher les sources les plus fraîches, j'ai volé cette slide de la présentation de Driss Buytert à Prague il y a quelques semaines, qui faisait, dans une version pas du tout accessible, mais voilà, un petit teasing des chiffres de cette année. Donc toute la partie blanche sur le camembert, c'est la croissance sur cette année. Donc, je ne sais pas si Drupal est mort, mais en tout cas, les agences web ont l'air de croître. Donc,
Et si vous avez déjà essayé de recruter des devs Drupal, vous saurez que ça reste une denrée rare. Donc, voilà. Moi, je vous laisse interpréter. Je vous donne les sources, je vous donne la data. Voilà, c'est mon travail de journaliste. Alors, évidemment, je ne peux pas vous laisser comme ça. On a des pronostics, parce qu'on est du journalisme d'anticipation aussi, un petit peu. Donc, l'avenir de Drupal, maintenant qu'on sait qu'il n'est pas tout à fait enterré. PHP 8.2 pour la release 10.1. Tada ! En fait, c'est déjà en cours de travail. Et donc, ce sera juste pas à temps pour décembre. Mais la cible, c'est la release 10.1. Donc, ça arrive très bientôt. Donc, aucune excuse pour ne pas mettre à jour aux versions de PHP. On vous voit. C'est pas Drupal, l'excuse. Hein. Nous, on est déjà dans le turfu avec Composer et tout. D'ailleurs, donc, Project Browser et Automatic Update, on vous l'a déjà dit, ça va passer dans le corps. Peut-être sur Drupal 10, peut-être sur Drupal 11. Là, j'avoue que je ne peux pas trop dire la version exacte, mais mes sources me tiendront informées. On a aussi un plugin lenient pour Composer. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que, comme je vous expliquais, beaucoup de modules sont en fait compatibles avec Drupal 10, mais ils n'ont pas mis l'info dans le petit fichier qu'ils sont compatibles. Et du coup, Composer est dit « Non, non, non !» Moi, je n'installe pas ton module, là, il n'est pas compatible. Et le problème aussi, c'est que des fois, on propose des patchs, mais les mainteneurs n'ont pas forcément le temps de les merger, de faire des releases, tout ça. Et donc, on a un truc qui marche qu'on ne peut pas utiliser. Donc là, actuellement, on a un endpoint spécifique pour permettre à Composer d'ignorer ces conflits-là. Et à terme, l'idée, là, le travail en cours, c'est d'avoir un plugin dédié pour simplifier aussi cette partie-là. Ce qui sera un gros gain de temps, parce que des fois, on est bloqué vraiment pour trois caractères qui manquent dans un fichier, c'est un peu frustrant. Encore moins de modules dans le corps. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait 5 modules et 4 thèmes qui ont dit au revoir au corps. Ça va s'aggraver. Là, ils ont fait un petit bilan, et ils se sont dit, le corps, il y en a trop, on va arrêter, c'est trop lourd, ça ne sert à rien. Donc, il y a 16 projets qui vont quitter le corps d'ici Drupal 11, donc en comptant les 4 qui sont déjà partis. Donc, au revoir, un corps plus léger. On estime que Drupal 11 sera 20% plus léger que Drupal 9. Ça rigole pas. Et enfin, les distributions Drupal, pour celles et ceux qui connaissent, le but, c'était d'avoir des espèces de bundles avec le corps et puis des modules clés qui vont tout ensemble pour, par exemple, créer une distribution dédiée pour le journalisme, par exemple, ou des médias ou des recettes de cuisine. Le problème, c'est que ça ne marche pas très très bien, les mises à jour sont compliquées, et donc, pareil, on va se recentrer sur ce que le reste de la communauté fait très bien, à savoir des recipes. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir ces fichiers YAML qui vont permettre de décrire ce qu'on veut, de gérer les mises à jour facilement, et en même temps d'avoir ces distributions, ces bundles de fonctionnalités qui vont ensemble disponibles. Donc ça, c'est pareil, c'est déjà en cours, vous pouvez même aller aider si vous voulez. Et donc le terme recipes, c'est ce qui va rester a priori. Dans la même veine, on a ce qu'on appelle des starter kits, pour les thèmes, pour pouvoir en fait, partir d'un thème Drupal, copier et faire son propre thème custom, tout en bénéficiant quand même des mises à jour où on n'a pas de problème de compatibilité, de code qui s'écrase, etc. Et ça, c'est pareil, c'est presque prêt. J'ai un scoop pour vous. Bon, déjà, voilà, c'est la fin de l'émission bientôt. Désolée. Mais on va pas vous laisser sur votre faim. Il faut savoir que la communauté est toujours active et il se passe des choses chez vous, dans vos régions. La prochaine DrupalCon Europe passe de Kartek, la mascotte taupe de Vienne, enfin de, pardon, pff, ouais, c'est la fin, de Prague, donc de la République tchèque, à Lille Rooster, fier petit représentant coq au verre de vin de la France. Cocorico, mesdames et messieurs. La prochaine DrupalCon aura lieu à Lille. Wouh ! Incroyable. Et Vienne, c'est les Drupal Dev Days en juillet. Pardon, voilà, trop d'informations à vous donner, je ne sais plus où j'en suis. Mais donc, à Lille, l'an prochain,
Vous aurez le plaisir de retrouver toute la communauté Drupal. Il y a des tractations avec des gens de la communauté PHP qui sont à Lille pour faire des trucs. Voilà, je peux pas trop en dire parce que secret professionnel, c'est pas éthique, mais il va se passer des choses. Donc, si vous aimez la bière et le PHP, pensez-y. Il y a des gaufres aussi pour ceux qui aiment plus les gaufres. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'être resté, d'avoir patienté avec moi pendant les problèmes techniques. J'espère que mon ordinateur se remettra de ses émotions. Il était encore plus stressé que moi, apparemment. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est aller donner une note pas trop méchante. Ou méchante, comme vous voulez, mais il faudra justifier. Et sinon, vous pouvez me retrouver aussi dans vraiment pas longtemps, ici aussi, pour la Symphonicon, où je vous parlerai du syndrome de l'imposteur dans lequel je suis, mais alors là, à fond. Merci beaucoup. Voilà. Merci Marine. Alors, on a le temps pour une question. Une. Ah, mais vous battez pas non plus. Hein. Christophe. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, alors il y a des techniciens qui rentrent dans la technique. Oui, avec Drupal 10, on supporte beaucoup plus de trucs qu'avant. Mais je n'ai pas les numéros de version sous le nez, puisque je n'ai pas mes notes de speaker. Donc je t'enverrai un message plus tard. Mais oui, effectivement, il y a, pour celles et ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de supports différents et vous n'êtes pas obligé de faire que du MySQL, hein, il y a du PostgreSQL, il y a tout ce que vous voulez. Et du coup, je suis désolée, j'ai pas le numéro là. T'aurais pu mettre une question facile là. C'est tout. Ah, attends, bah. Bonjour. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la disparition des distributions, ça veut dire qu'à terme, on va avoir une disparition, par exemple, de Drupal Commerce ? Ou c'est compliqué parce que c'est différent ? C'est pas tout à fait pareil, ouais. En fait, là, l'idée des récipes, c'est vraiment de pouvoir décrire dans les fichiers YAML et de pouvoir simplifier en fait, l'installation, les mises à jour, etc. Donc, après, Drupal Commerce, c'est plus un module, c'est une suite de modules. Donc, en fait, on peut faire une récipe pour Drupal Commerce avec tous les modules qu'on veut. Mais voilà, c'est juste la manière de l'installer qui va être différente. Mais en fait, on peut très bien aussi installer Drupal Commerce sans distribution et le faire à la main et choisir ce qu'on veut. Donc, pas forcément d'impact négatif là-dessus. Après, les distributions en soi, vu la manière dont c'est fait actuellement, je ne suis pas sûre qu'elles persistent, effectivement. Une fois qu'il y aura une manière plus standard et plus facile de les faire... Je pense que ça va naturellement ne plus être maintenu. Merci Marine. Merci.